Ok. Non. Bon. C'est mieux déjà. Ok. Pompe. Ouais. Ok. Bon. Ok. Parfait. Très bien. Alors... va par là, toi. Toi, tu vas là. Ok. Voilà. Bien. Récupérer un peu des troupes. Et puis se regrouper. Ouais, mais bon, de toute façon, le prix... Enfin, voilà quoi. Non, non. Ah, come on. Alors. Ok. La grappe, merci. Ok, ici on va faire des mercenaires, effectivement. Ok. Une bonne base, on va pas trop utiliser ça, plus que 6000 encore, ici on perd de l'argent, on a beaucoup trop d'emprunts, très bien, bon. Est-ce qu'on arrive à aller là? Je doute qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant ici sur Pégou. On peut essayer de passer là, puis voir un peu ce qu'on retrouvera de ce côté-là. Mais il faudrait qu'on récupère un peu plus. Pour le moment, restons à Assam. Laissons-le s'occuper de ça. C'est quoi comme province ici? C'est de la jungle. Malheureusement, t'as... Bon, ça va, t'as que 1 de siège, mais ça va quand même un peu trop vite pour nous. On va pas pouvoir faire grand-chose. On peut pas rembourser de toute façon, a priori. C'est sur le 1-6-4-0. Ok. On récupère vraiment des troupes. On va avancer un petit peu. Pouvoir aller, faut qu'on les battre une fois. Le problème c'est que... C'était là du coup. Ouais. Ah. C'est intéressant. Ok. Si j'attaque, j'arrive le 1er mai. Donc j'ai un tic et il a pas... Bon, je pense qu'il a un tic aussi, mais... Bon, on va tenter. J'ai pas eu mon tic, ok. Du coup, je ne vois pas ce qui se passe, parce qu'il y a plein de trucs. A voir, c'est très négatif, on devrait perdre aussi cette bataille-là. Aïe, 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 aïe. Non, rien à faire. Ils sont trop forts pour nous. En cas Utaya puisse s'en sortir un peu mieux. Mais j'en doute parce qu'a priori ils n'ont pas de tech militaire, donc on va se faire défoncer par Pegu aussi. Malgré notre discipline, tout ça, on n'a rien réussi à faire. Essayer de reprendre ça très vite, ce serait bien. Il arrive avant moi? Bon, ok, si tu veux. Vas-y, finis-moi. L'opinion de Bengale à l'égard d'Assam change. Non, on s'en fout de ça. Ça, c'est mieux. Des gens qui nous prennent des trucs là-haut, j'ai rien vu. Alors, on va essayer de prendre ça. Ouais, bon. Certainement pouvoir aller rechercher tout ça. Si j'ai terminé, c'est super. Maintenant, il nous faut aller chercher des trucs ici, mais de toute façon, on va pas pouvoir prendre quoi que ce soit. Mais bon, regroupons-nous. On va aller prendre ça, ça change pas grand-chose. L'idée de prendre ça avant, à la base, c'était surtout d'éviter d'avoir affaire à l'autre qui récupère ses troupes, qui peut recréer des troupes. Là, de toute façon, c'est un peu trop tard. 3 ans, de toute façon, on n'arrivera pas à un Pégou, donc... Enfin, pardon, à un Prom, donc peu importe. Hein. On va essayer de faire une paix blanche, histoire de ne pas le ruiner complet. Ouais, mais surtout... c'est le problème, c'est qu'on est systématiquement dans des endroits où c'est sclérosé, des endroits où il y a des alliances qui sont ingérables. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de prendre des risques, et puis ben voilà, ça arrive, quoi. C'est embêtant. Oui, effectivement, ils sont en guerre contre l'alliance Ming-Sipao. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Parce que Ming essaie d'imposer le tribut au Airat. C'est intéressant. Ah, bon. De toute façon, c'est complètement trop tard. Bon, ça, on sait ce qu'on va prendre de toute façon. Je sais pas où est Pégou par contre. Allez, Ayuta, il a fait quelque chose de bien. Toujours ta tech 14. Ouais, je pense que c'est utile pour par la suite. Parce que là... okay. J'imagine que ça va faire banqueroute ou quelque chose de ce goût-là. Ok. Bon, je pense qu'on a le choix maintenant. Ouais. On peut même prendre un peu d'argent. Non. Non. On peut rien prendre. Ok. Comme ça, on crame pas leur pays, je vous propose. Ça sert à rien, de toute façon, on va pas réussir notre objectif. Donc au moins, on leur crame pas leur pays. On va d'ailleurs essayer de virer les mercenaires dès qu'on peut. On pourrait bientôt prendre ça. Ouais, je pense qu'on va laisser le temps à ça de monter. Et ici, Mongyang, ou Mongkwang, ou Mong whatever. Ok. Ok. Voilà, très bien. Alors, les mercenaires ici, il n'y en a pas. Donc ils sont ici. Los. La War Exhaustion, on la baisse, voilà. On regroupe ces gars-là. Ici, je pense que c'est pas mal. Et puis on finit la partie un peu en roue libre, tranquille, comme ça. Voilà, on n'a plus d'hommes, bon, comme ça, on leur a quand même mis énormément d'emprunts, c'est très embêtant. Mais le pays est pas mort, quoi. Pas loin, mais il est pas mort. Donc vitesse 5. Ah, des bons gaillards. Alors, un héritier est né dans la maison à Horn. Soupimfa porte tous les espoirs d'avenir. Sa naissance vous rappelle aussi les raisons vous amenant à considérer des vies comme le pouvoir divin suprême sans égal. Mais si c'est vous qui régnez en tant que Maharaja de l'Assam, la puissance perpétuant votre lignée et le monde lui-même est le domaine de la féminité. Reconnaître cet aspect de la déesse en votre propre épouse vous permet de réfléchir à la beauté et à la bonté de Devi. Légitimité annuelle -1. Ok. Probabilité d'avoir un héritier, -50%, on en a un. Relation diplomatique, -1, c'est un peu embêtant. On va gagner 2 de prestige. On peut finir ce groupe de doctrine. Ouais, vas-y. Finis-moi ça. Ça, c'est fait. Pour en passer à autre chose. Mécontentement des artisans. Bon, tant pis. Se permettre de prendre trop d'emprunts non plus, quoi. Essayer de faire un peu d'argent, je pense que c'est mieux. On va d'ailleurs complètement arrêter de payer l'armée pendant un petit moment, laisser s'en sortir, et puis arrêter de payer ça aussi. Récupérer de l'argent pour qu'ils puissent payer leurs emprunts. Malheureusement, on pourra pas en payer beaucoup. Et eux, je suis pas sûr qu'ils fassent cet effort-là, donc ça risque de pas servir à grand-chose plutôt. Ok. On exige un tribut de 50. Ah bah oui, bah, on l'a perdu en fait, on n'a pas eu le choix. Ah, c'est cool ça. Ok. On gagne 2 de prestige, ça nous va bien. Ok, décembre. Voilà, voilà, voilà. Ok, 1640. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On va faire un dernier topo, on va changer de pays une dernière fois, puis après on s'arrêtera là. hein, parce que je commence un peu à fatiguer. Donc je vous propose de me dire là où vous pensez qu'on va tomber maintenant. Et puis on regardera le pays dans lequel on va tomber. Et puis après on regardera un peu les autres pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là? Au moment on a la France. Mmh. Le Brésil. Alors le Brésil, donc le Brésil Castillon, j'en déduis. La France ici. Pouf nous dit les Incas. Il n'y a pas d'Incas en eux-mêmes. Mais on peut pas en plus. Hein, on peut pas jouer les natifs. Pouf. On a enlevé. L'Angleterre nous dit Altéride. Donc j'en déduis la Grande-Bretagne. Mais sinon, donc à part les Incas, sinon tout le reste ça joue. La Suède, la Floride. Beaucoup de... Et donc la Floride, j'en déduis les... Ah non, la Floride, carrément. Ouais, ok. Se faire défoncer, les gars. Ok. La Suède. Ok, donc on va s'arrêter là-dessus. Entre donc France, Angleterre, Suède et Floride. Et le Brésil. Ok. Ok, ok, ok. Alors, du coup... Let's go. Ce sera... Daviet. Ok. Daviet. Bon. Bon. Ouais, j'ai pas vraiment envie de continuer en Asie, là. J'aimerais bien voir autre chose, un peu. Franchement, j'aimerais bien voir autre chose, un peu. Ok, je propose qu'on fasse un vote, parce que... Ouais, non, quoi. Alors. Voilà. Alors. Hop. Vous avez un stropole ici que vous pouvez remplir, pour savoir si vous êtes d'accord qu'on bouge ou pas. Ou si on reste sur sur Daviet. Ok, bon. Bon, tout le monde vote oui. Ok, on va bouger. Honnêtement, on va bouger. C'est pas une OPM, c'est pas infaisable. Il y a certainement des côtés intéressants, mais c'est vrai que là, on a joué que là-dedans, presque exclusivement que dans cette région. Ça devient un petit peu embêtant, honnêtement. Je suis pas hyper fan que ce soit toujours le cas. Allez, on repart donc sur les mêmes trucs. Ah, je savais pas, je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Du coup, j'imagine que vous gardez les mêmes pays. Pourquoi pas, ouais, je pourrais regarder, faudrait que je vois. Il y a plein de succès que j'ai pas fait. Vraiment beaucoup de succès que j'ai pas fait. N'hésitez pas effectivement à en proposer des fois, hein. Je les regarde pas tous, je fais pas tout le temps toute la liste. J'en ai certains que j'ai noté, mais je suis pas forcément sûr. Donc pour une prochaine partie, pourquoi pas. Bon, let's go. Ok. Et ce sera cette fois-ci... Bon, ça tourne aux blagues, quoi. Ça tourne à la blague, là. Mais ce truc, c'est que... C'est limite tentant. Parce que c'est quand même un poil différent dans l'idée, mais... C'est un gros pays, ouais, c'est vrai. Je me demande si ça peut pas être fun. c'est pas l'Asie au milieu, enfin voilà, il y a éventuellement, bon je sais pas, hein, des trucs qu'on pourrait envisager. Bon je pense que c'est compliqué quand même, hein. Bon, ce que je propose, on s'arrête là-dessus et on en rediscute la semaine prochaine. On fait un vote la semaine prochaine où on aura réfléchi. Moi là, je suis pas forcément non plus hyper au clair. Oirat peut être intéressant, honnêtement. C'est quand même un poil différent que ce qu'on a fait là, puis là, puis là, puis là. Un peu plus proche de ce qu'on a fait là, me direz-vous, mais globalement, c'est quand même un tout petit peu différent. Moi aussi, j'aimerais bien jouer en Europe, Alterid, je suis d'accord, c'est vrai, mais à un moment, il y a aussi un tirage au sort, quoi, donc le sort joue, hein, sinon, c'est un peu embêtant. Donc là, on a dit la dernière fois, ne pas jouer Daiviet parce qu'on vient de jouer... Assam, qui est vraiment dans la même région claire, Oirat, ah, on verra. Mais je propose que, comme je dis, on s'arrête maintenant. Là-dessus, hein, sur cet échec aux proportions assez impressionnantes avec Assam. Et on réfléchit la prochaine fois, la tête reposée, si on switch ou pas, ou si on reste sur les Oirat. Prom a mangé un bout de pégou. Ouais. Ouais. Peut-être... À mon avis, parce que Prom est tributaire de pégou. Je pense que c'est un événement. Mais en bref, donc on va faire ça comme ça. On va s'arrêter maintenant. On reste sur les Oirat. Hein, je sauve... Regardez la partie. Ce sera quoi? Entropie 2 avec... Qu'est-ce que... Oirat. Et on regardera la semaine prochaine ce que ça donne. Je propose que pour s'arrêter maintenant, on fasse un petit tour du monde. Ou avant de s'arrêter plutôt. Avec notamment les pays qu'on a joués, mais pas que. On va aussi un petit peu regarder le reste. Donc Xiu, voir ce qu'ils ont donné. Ouais, bon bref. Hein. Bon, je dois dire Kalinjar, bon ben on commence à connaître, on commence à maîtriser un petit peu. Kalinjar s'en sort bien, mais ils ont perdu quelques provinces, mais ça va. Hein. Ils ont quand même cela dit, ils se retrouvent dans une situation un peu compliquée. Sindh a bouffé tout Mewar, donc est un peu plus balèze. Delhi est très fort au nord, Vijayanagara est très fort au sud, donc je pense qu'Alinjar aura de la peine à continuer sur sa lancée. Timmy, me semble-t-il, a récupéré des trucs à la Théo. Ouais, je pense que c'est le cas, donc ils s'en est plutôt bien sortis dans sa guerre contre la Transoxiane. Continue à coloniser, toutefois les Portugais font leur malin comme d'habitude. Ensuite, Gorkha, donc le Népal, s'en sort bien, mais là aussi ils se sont fait défoncer par Delhi, mais je crois pas qu'ils ont perdu quelque chose. Hein. Peut-être, mais je crois pas. Je crois que c'est juste qu'ils revendiquent, mais je crois pas. Ensuite, Kilwa. Il me semble pas que ça a beaucoup bougé. Adjuran a bien pris, mais Kilwa n'en a pas pâti, en fait. Me semble pas, en tout cas. Peut-être une partie contre le Portugal, mais c'est pas clair. Non. A priori, non. Ensuite, on a Sindh. Donc ça, on a vu. Sindh, a priori, c'est bien lâché, là. Manger une bonne partie du Mewar. Il me semble qu'ils n'avaient pas tout ça. Donc là, ils se sont fait plaisir. C'est intéressant. Hosokawa, donc le Japon, a priori, doit stagner un petit peu. Ils ont même encore perdu d'autres trucs. Ouais, voilà. Pathétique est le terme, je pense. Soyons parfaitement honnêtes. C'est pas terrible, en tout cas. Zazo. a réagi, on va dire, a regrandi un petit peu. Tombouctou a pris très cher, par contre. Ils ont dû se prendre un Mali dans le derrière. La Galicie-Bolini. Oh. Coup 974, merci beaucoup pour l'abonnement avec Twitch Prime. Ça fait énormément plaisir. Merci bien, c'est super. Ah, ça fait 4 abonnés, mon dieu. C'est impressionnant. Du coup, la Galicie-Volhynie a annexé la Lituanie. Ok, c'est plus rapide. Mais sinon, je crois pas que ça a progressé depuis, mais son SNES est très très bien sorti. Et en plus, tu as partagé des émoticônes avec des gens dans le chat. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est marqué que tu as offert 5 émoticônes différents. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait directement avec l'abonnement, ou c'est en plus, ou quel cas, merci. Et merci beaucoup pour le compliment, ça fait vraiment plaisir. Malheureusement, bah, si tu arrives maintenant, tu arrives un peu à la fin, parce qu'on va s'arrêter là. On continuera, hein, bien sûr, la semaine prochaine. Donc la Galicie-Volhynie s'en sort plutôt bien. Okay. Je vois un dinosaure, là, un peu. Hein. Genre un peu le monstre du Loch Ness. Comme ça. Ah, je sais pas, bref. Ouais, oui, bah, c'est la Pologne. Hein. C'est un peu l'idée. Hein. Il y a des Allemands là, des Turcs ici et des Russes là. Donc, ouais, elle est un peu dans la misère. Mais, compte tenu, elle s'en sort pas trop mal. Elle a bouffé la Moldavie. Elle a bouffé surtout la Valachie, qui était là, qui était à la place de la Moldavie, en fait, grosso modo. Mais elle n'a pas pris Zaporogué. Bonne nuit, Altéride. Sinon, si on regarde en Europe, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas du tout ce qui se passe, vu qu'on n'y est jamais, ça n'a pas l'air de... C'est pas une map de fantasy, hein, on va dire. Hein. Il y a la France, il y a l'Espagne, il y a la Grande-Bretagne, l'Autriche en Autriche, la Bohème, ok. Bon, eux, ils se sont fait plaisir, on est d'accord. Le Brandebourg s'en sort très bien, c'est toujours eux les empereurs, me semble-t-il. Oui, même si, de ce côté-là, c'est pas terrible. Le Danemark est en train de se battre contre la Suède. Ils ont plus d'état d'union personnelle dessus. La Suède, du coup, se bat contre le Danemark aussi. La Russie, ça va. Les Ottomans s'en sortent plutôt bien. Les Mamelouks se sont fait bouffer. Tunis s'en sort très très bien en Afrique du Nord. C'est vrai que la Galicie est... Ils sont alliés plus qu'à Ming, d'ailleurs. Ils sont en guerre contre l'ordre... Ah, ils font partie de la grosse guerre ici. Okay. Là, bon, on a vu un petit peu, hein, Mali et Zazo, mais je pense quand même Mali surtout. Le Yémen s'en sort très très bien en Éthiopie. Ok. Tchokwe en Afrique centrale. Bassin du Congo. Lundu, là, on l'a vu. Les Espagnols, hein, font une super game. Hein. Je serais pas surpris qu'ils soient très hauts. Oh, Jesus Christ. Oh là là, j'ai peur. T'appartiens à qui ? Ok. Ok, c'est fun. Mais il y a quand même 100% de désir de liberté. Ça va être hoche. Ça va être hoche. Il n'y a personne qui soutient ton indépendance. Mais c'est marrant, en tout cas. Hein, donc on a une union personnelle. Et par ça, le Portugal, en Amérique... Enfin, ils ont du Mexique. Ils ont du Mexique, mais sinon... Puis des Caraïbes. Quand même, oui. Mexique, Caraïbes, c'est quand même pas dégueu. Hein. Mais l'Amérique du Sud, c'est full... Bon, vous me direz, bientôt plus espagnol, quoi. Ouais, clairement, Gourine. Ici, bon, ici, voilà, on connaît, quoi. J'ai envie de dire, on connaît. Ok, donc, très bien. Mais c'est vrai que la situation coloniale, la situation en Europe, ce serait cool de pouvoir de temps en temps y jouer un petit peu. Ce serait vraiment sympa. Là, comme je disais, les Oirats, on verra. On verra, on en discute. Moi, j'aurais tendance à vouloir bouger aussi, mais je trouve un peu dommage de bouger 2 fois de suite parce qu'on n'est pas où on veut. Ça commence... Pour moi, il y a un moment où ça commence à... Enfin, si on décide juste de choisir, autant choisir. Ça pourrait être, à part ça, un autre style de parti qui pourrait être tout à fait intéressant. C'est-à-dire tirer au hasard le premier pays, puis après faire un tour du monde et choisir un pays intéressant. Pas forcément fort, mais intéressant. Or, c'est pas ce sur quoi on s'est basé pour créer cette partie-là. On avait un peu marre de jouer d'Iviette, de jouer dans la région même exactement. Hein. En gros, on allait se battre contre Ayutthaya au lieu d'être allié contre Ayutthaya, et être allié avec Pegu au lieu de se battre contre Pegu. C'était ça qui était un petit peu différent. Là, Oirat, c'est quand même dans une région, dans une situation diplomatique un poil différente, donc on peut en discuter. Mais à réfléchir pour la prochaine fois. Je sais pas, Geeking. Le problème qui se pose, c'est que je sais pas à quel point, je sais pas comment fonctionne leur random. Juste avant, on va juste regarder à qui est allié le Portugal. Ah, Brandebourg, Milan. Bon, Brandebourg, c'est l'empereur. Hein. Milan, les états du pape. Et ses rivaux sont... Ah ouais, non, mais il va se faire défoncer, le pauvre. Défoncer, à mon avis. Le problème, c'est que je sais pas comment fonctionne leur random, en fait. Donc, si ça se trouve, ben, ça va garder le random pour le prochain. Ce sera peut-être le même, c'est peut-être déjà décidé, j'en sais rien. J'ai envie de dire, je vais relancer le jeu, donc je pense pas. Mais dans le doute... Non, on va pas... On va éviter. En plus... Ouais, quel intérêt, quoi. Enfin, donc, le truc qui peut se, le seul truc qui risque de se passer, c'est qu'on va être frustré, en fait. C'est tout. Genre, on va voir la Bohème, on va se dire... Mais non. Ok, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais remettre la TI. Et je vais save. Bon, je viens de save en fait. C'est pas grave. Regrette. Et puis, eh bien, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Mais ça m'a pas remis la TI en fait. Ouais, en fait, il n'y avait pas vraiment besoin de mettre beaucoup de terrain incognita. Bref, c'est pas grave. On verra ça la prochaine fois. Ok. Donc, je vous remercie de nouveau pour ce soir. C'était très, très sympa. Comme je disais, normalement, hein, même vendredi prochain, ça devrait jouer. Je pense. On sera quoi? On sera le 20. J'aurai encore cours. Enfin, je donnerai encore des cours cette semaine. Mais a priori ça devrait jouer et puis bon, les semaines d'après on verra, ça va être un peu plus compliqué j'imagine, mais on dirait le 27 a priori, enfin bon bref, de toute façon c'est de l'histoire, c'est pour le futur, donc comme je disais, je vous remercie pour ce soir, c'était très très sympa, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une toute bonne nuit, bye bye.